couldn't speak? What if I couldn't eat? What if I couldn't move? Would you still love me? What if my body ached and always made you late? What if I couldn't wait? Would you still love me? Would you love me when it's hard and our lives falling apart? If the things that we once knew are long gone, if our blue skies turn to gray and my memory fades away, would you still love me? Would you still love me? What if I'm complicated, always leaving you frustrated? Nothing ever went quite right. Would you still love me? Wish I could let you know what the future holds. It's a promise I can't make. Through the good and bad, happy and sad, love's a risk that we must take. Would you love me when it's hard and our life's falling apart? If the things that we once knew are long gone, if our blue skies turn to gray, la première sortie spectacle. Je sais, ne m'en veux pas. Je sais, les yeux sur toi.
Alexandra est parvenue dans nos services à temps. Et fort de ce que toutes les pierres acquises aient été versées dans ce dossier, nous pensons dès lors qu'il nous est de devoir, n'est-ce pas, de célébrer ce mariage en toute quiétude et surtout selon les règles de l'art. Car M. Etitel et sa future épouse Alexandra ont accompli toutes les formalités administratives préalables à une célébration de mariage digne de ce nom. Sur ce, je souhaiterais qu'on puisse donc les applaudir. Ah, Alexandra, ça va? Un peu de mission, sur elle, c'est bon. Bien, si nous en avons donc convenance, je vais tout simplement vous rappeler ce que vous savez déjà du mariage. Nous devons donc à juste titre retenir que le mariage pour lequel nous sommes ici peut être défini comme une union légale entre un homme et une femme. Ça va, deux personnes qui prennent la ferme résolution de faire vie commune. Lorsque je l'ai dit, je voudrais aussi vous faire partager, n'est-ce pas, le code civil ayant droit au mariage, comme nous le savons tous. Le mariage chez nous est régi par la loi, le code civil ayant droit au mariage. C'est un document dans lequel nous trouvons beaucoup d'articles avec la déclinaison. Mais nous avons retenu que nous avons bien voulu que pendant les célébrations, comme c'est le cas en ce moment, qu'on puisse s'apesantir, n'est-ce pas, sur quatre articles. D'ailleurs, vous le savez aussi, autant que moi, il y a un adage bien connu de chez nous qui nous rappelle également que nul n'est censé ignorer la loi. Et Dieu merci, nous avons en face de nous des personnes dont les têtes sont bien et bien pleines, n'est-ce pas? Ceci dit-on, l'article 212 dont tiré du Code civil ayant trait au mariage dispose que les époux, pour ce retour de cette cérémonie, vous devriez mutuellement fidélité, secours et assistance. Voilà donc les trois valeurs fondamentales sur lesquelles vous devez vous appuyer pour la bonne marche, n'est-ce pas, de votre amour. C'est les valeurs sans lesquelles, n'est-ce pas, le mariage n'aura pas tout son contenu. Comme nous le savons tous, le mariage trouve toute sa pertinence, toute son importance, toute son existence, n'est-ce pas, sur la première valeur, à savoir l'amour. Comme vous le savez, le terme fidélité ici connaît bien avec l'amour. L'amour vit dans son sens noble, dans son sens global. Et lorsque cet amour est une réalité, lorsque vous la mettez en pratique au quotidien, vous allez vous en rendre compte qu'il y a d'autres valeurs qui viendraient d'elles-mêmes, notamment les valeurs de secours et d'assistance et bien d'autres valeurs dont le législateur n'a pas fait évocation ici. En un mot donc comme en mille, nous devons donc retenir que le mariage repose essentiellement sur l'amour. Sorel, vous pratiquez déjà, n'est-ce pas, cet amour, non? L'amour pris, comme je l'ai dit, dans tous ses sens. Bien, la 213 voulait nous rappeler que le mari est le chef de famille. Est-ce que ma fille Alexandra le savait déjà avant d'arriver ici? Oui, comment cela peut en être autrement? C'est Sorel qui sera chef de famille au sortir de cette cérémonie. Est-ce qu'on peut déjà applaudir pour Sorel? Je voudrais également prendre son ressenti. Vous êtes prêts à jouer le rôle de chef de famille? Vous êtes prêts? D'ailleurs, vous avez déjà commencé à le faire, n'est-ce pas? On peut applaudir une fois de plus à monsieur. Alors, la 213, disais-je, nous rappelle donc que c'est le mari qui est le chef de famille. À cet effet, il aura le devoir d'exercer la direction morale et matérielle, n'est-ce pas, de cette famille qui va être sortie de cette cérémonie, à élever les enfants et à prévoir leur établissement. Les enfants, vous en avez déjà? Combien d'enfants? Un enfant. Certainement, vous allez également vous mettre en chantier aujourd'hui pour que le bébé puisse arriver. C'est ça, non? Vous savez que c'est les enfants qui font la joie dans un couple. C'est les enfants qui nous poussent à l'action, non? Oui, quand on a les enfants à la maison, on ne peut pas dormir. Donc il est bon d'en avoir. D'ailleurs, quand nous ne serons plus sur cette terre, ces enfants qui vont nous remplacer. Imaginez-vous un seul instant que vos parents ne vous aient pas mis au monde. Est-ce que nous serons également ainsi aujourd'hui? Donc vous avez donc le devoir de perpétuer, de pérenniser, n'est-ce pas, le genre humain. Donc nous attendons l'enregistrement de votre prochain enfant quand vous viendrez en congé ici l'année prochaine. Ou alors tout au moins à la fin de cette année. La 213, en son deuxième alinéa, nous rappelle que la femme va remplacer son mari dans ses fonctions de chef de famille. Ce serait, c'est très dangereux ça. La femme peut remplacer le mari dans ses fonctions de chef de famille. Comment?
lorsqu'il est donc prouvé que vous n'avez pas joué à fond votre partition de chef de famille, cela peut être dû à un certain nombre, même de contingences. Hein. Vous pouvez tomber malade et dans la maladie, vous perdez ce qui est l'essentiel en vous, c'est-à-dire le bon sens. Et c'est pas même comme un penseur, c'est Descartes qui le disait que le bon sens était la chose du monde la mieux partagée. Mais aujourd'hui, nous pouvons battre cette philosophie-là en brèche, non. Le bon sens n'est pas toujours la chose du monde. Vous pouvez donc tomber malade dans la maladie, perdre dans la tête, comme on dit au quartier. Un homme qui aura perdu sa tête, peut-il encore tenir la reine d'une famille? Et non, n'est-ce pas? C'est un tas parmi tant d'autres. On apprend aussi des hommes qui abandonnent leur foyer en dépit des appels à lui lancer par le juge, le banc ne revient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? La famille doit poursuivre, non? La poursuivre doit se développer. C'est la femme qui, a donc, qui va donc prendre les rênes de la famille en ce moment-là. Peut-être que moi, je veux sauf que m'entendre avec ma belle famille, avec ma belle mère, avec mon beau-père. Oui! C'est des défis qu'on doit relever. Comme la femme vient dans un foyer pour apporter aussi de l'ordre, pour apporter de l'amour. Nous sommes d'accord? Oui. Donc il y a donc ces défis qu'il y a à relever. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ne veulent pas seulement du bien pour nous autres qui évoluons même tout. Il faut bien savoir ça. Il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de leur dire que voilà la bonne voie. Si c'est des conseils qui ne sont pas bien, non, ne me donnez pas ce genre de conseils. Je vais prendre des conseils qui vont en droit lien avec ma vie et avec la vie de mes frères. C'est de ça. Donc, pour terminer, le mariage n'est pas facile, ma fille. Hein, tu auras encore l'occasion de le connaître aujourd'hui, enfin tout au long de ta vie. Comme j'ai dit, ce n'est pas le miel tous les jours dans le mariage. Il y a des moments de doute. Mais votre capacité, votre résilience, n'est-ce pas, supprimer, n'est-ce pas, ce qu'on doit dans votre esprit pour être vous en bon couple. Voilà donc, mesdemoiselles, messieurs, les quelques conseils que nous avons tenu à prodiguer à l'endroit, n'est-ce pas, de monsieur Etienne Sorel et de mademoiselle Guébon Alexandra en ce jour solennel de leur vie. À présent, donc, nous allons passer à une autre étape, une étape aussi importante que la précédente. Elle est, à mon avis, importante en ce sens que nous allons vous demander, n'est-ce pas, de partager, n'est-ce pas, vos sentiments et à l'issue de cela, nous allons retenir ce que vous allez nous dire. Et cela sera consigné dans ces documents et devrait également vous servir de référence, n'est-ce pas, pour votre vie. Sur ce, Sorel et Alexandra, veuillez donc vous lever. Miss Gébon Pauline Alexandra, are you ready to get married now? Of course I do. Okay, clap for her. Très bien. Et la même question va s'adresser à monsieur Etienne et Onana Sorel. Je ne sais pas s'il voudrait également que nous passons, on ne sait pas l'anglais. Alors on parle pas, on parle comme chez les étoiles. On va un peu passer par les étoiles. Très bien. Anti Etienne et Onana Sorel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons suivi avec intérêt, n'est-ce pas, le oui des futurs époux. Ils ont dit oui pour l'amour à travers la réponse. Ils ont oui. Ils ont dit oui pour le vivre ensemble, living together. Ils ont également dit oui, n'est-ce pas, pour le mariage. Alors, est-ce que Sorel et Alexandra peuvent nous manifester leur amour? Vous savez, une chose est de dire oui et l'autre est à démontrer. Pouvez-nous que vous vous aimez alors? Sorel et Alexandra, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va prendre une bonne place? Bien, nous continuons avec notre questionnaire. Quel type de contrat de mariage voulez-vous? Comme vous le savez, nous avons deux éventualités. Nous avons la monogamie ou la polygamie. Et le family. J'appelle la monogamie. Monogamie. Alexandra, allez à toi. Monogamie.
On donne d'abord le choc de famille. Qui peut vous donner le pouvoir de parler en son nom, n'est-ce pas? Le head of family. Bien comme la monsieur. Bien comme un. Ne sont pas applaudis pour la communauté de Dieu. Alors, je veux donner la parole vers vous. Vous qui êtes venus très nombreux, les gens se sont déplacés de partout dans le monde, hein, me dit-on. Les gens sont venus des États-Unis, Moscou, de l'Europe, le gros continent, de l'Afrique du Sud, de Kuntik, de Bafia, c'est ça? C'est dans quel domaine Bafia? Adak. Adam. Adam. Moi, je connais qui est qui? Qui est qui? Les gens sont grands parents. Adam, voilà. Donc, Adam, à Kuntik, à Kuntik, à un peu partout, à. J'ai oublié quel village là. Hein? Très bien. J'ai un peu pas intelligent aussi. Je pensais que vous oubliez encore les meilleurs villages là. Bien. On a dit que c'est zéro opposition, non? Non, on a dit qu'il n'y a pas d'opposition, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Si quelqu'un a quelque chose à dire contre ce mariage, il est libre. Hein? Si nous n'avons rien à dire, faites-le savoir à travers vos applaudissements. Et que les gens qui ruminaient disaient quelque chose, c'était à jamais. Très bien, on poursuit avec nos cérémonies. À présent, on va demander à Sorel et à Alexander de se mettre face à face. Très bien. Les yeux dans les yeux. Monsieur le maire, Pauline est une fille, une jeune femme, très dynamique. C'est ma force. Ta force? Alors, en ce jour, je suis prêt à arpenter les hauteurs les plus escarpées. Tout en connaissant son cœur. Donc, je suis prêt. Très bien. Vous êtes donc prêts, vous avez donc l'alliance qui est devant vous. Vous allez devoir, n'est-ce pas, maintenir droit de votre. Et vous avez également l'oisible, n'est-ce pas, de l'être l'attend de vous en ce moment. Je vais prier Alexandra de bien vouloir prendre ce micro pour qu'il puisse recueillir, n'est-ce pas, votre ressenti. Et maintenant, vous allez lui enfiler cette alliance. Vous allez montrer le micro. On va tenir seulement votre main. Soyez sans rassurer. Allons-y. Pauline, Alexandra Degon, mon petit cœur. Je te passe cette alliance aujourd'hui en signe de mon respect, de mon amour, de ma considération. Et je voudrais dire ici devant tout le monde que jamais je n'aurais eu la grâce de rencontrer une jeune femme comme toi. Alors, cet anneau, cette alliance, oh yes, ne représente pas assez devant les valeurs. Donc, reçois cette alliance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était pour d'Alexandra de pouvoir accomplir le même geste. Et nous souhaiterions également que le geste d'Alexandra soit accompagné par des paroles aussi très 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 enlevées. Amour. Dis-le en anglais seulement. No, I'm going to speak in French. C'est toi qui dois maintenant Sorel et Titan, ton nana. Tu es la personne la plus honnête, gentille et aimable que j'ai rencontré dans ma vie, excepté
les membres de ma famille. Tu es tout ce que j'ai recherché dans ma vie. Tu me soutiens, tu m'encourages et tu me supportes. Parce qu'il faut le dire, je suis pas très facile. Ça fait bientôt 7 ans que nous vivons cet amour. Ça n'a toujours pas été facile, mais tu as toujours été là. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement très contente et très heureuse de te mettre cette bague sur ce doigt et qu'il demeure sur ce doigt maintenant et à jamais. Alors, bien. J'ai jamais aimé autant, je pourrais te tuer avec trop de caresses. L'avenir c'est nous, et s'il parle, ben c'est quand même nous. Je m'en remettrai jamais si tu devais construire ta vie sans moi. Donc laisse-moi être ton pansement, pansement, ton pansement. Tu pourras faire le tour de la terre, personne ne t'aimera comme pas besoin de teaser, rien que ta compagnie me plonge dans l'ivresse. J'ai les épaules pour t'apaiser. Je connais toutes tes joies, je connais tes tristesses. Ils vont parler pour te diviser, bébé, tu sais. Nos cœurs finiront traumatisés. Ordonnance modifiée et complétée par la loi du 6 mai 2011. Loi portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état de personnes physiques. Nous, dans le Seigneur, nous déclarons unis par le lien du mariage, for best and for worst. And we become husband and wife. Promis, on dansera pour les...